Dieu est loué ce matin encore. Nous continuons notre thème que nous avons commencé hier. Et ce thème est intitulé Les pièges de la prostituée sur les saints. Ça, c'est le thème général et nous avons comme sous-thème Qui sont les saints de Dieu ou bien les saints de Dieu. Donc, les pièges de la prostituée sur les saints. Et nous devons savoir d'abord les saints, qui sont-ils? Et hier, nous avons commencé à donner des définitions des saints. Quelquefois, les gens pensent que les saints, ce sont les personnes qui sont décédées. Ce n'est pas comme ça. Les saints, nous avons vu la première définition que les saints, ce sont ceux-là qui sont membres du royaume des sacrificateurs. Dieu voulait se faire une nation sainte. C'est pourquoi en Israël, il a choisi les Lévites. Il les a mis à part. Les Lévites étaient la part de l'Éternel. Et donc, nous voyons donc, à titre de définition, la première définition, c'est que les saints, c'est ceux-là qui font partie du royaume des sacrificateurs. Dans Exode chapitre 19, verset 6, il est écrit, vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Mais donc pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, c'est la même chose que Jésus a fait. Quand Jésus est arrivé, il a accepté de mourir pour nos offenses. Et le troisième jour, il est ressuscité pour notre justification. La résurrection de Jésus nous conduit à la justification et par extension aussi la sanctification. C'est quoi Apocalypse chapitre 1 verset 6. Il est écrit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père? À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? La deuxième définition ce matin. Qui sont les saints? Les saints, ce sont ceux qui offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement en Israël, les sacrificateurs, c'est eux qui faisaient ce service-là. Ils étaient responsables d'offrir des sacrifices pour le pardon de péché. Car lorsqu'il y a le péché, le Seigneur ne peut pas, nous ne pouvons pas être favorables au Seigneur. Et donc nous voyons par là le premier objectif ou bien la première raison pour laquelle on doit sacrifier, offrir les sacrifices. C'est pour obtenir la faveur de Dieu. Et Jésus-Christ est venu, il s'est offert lui-même. Chers frères et sœurs, il s'est offert à Dieu comme victime expiatoire et propitiatoire. C'est ainsi que par Jésus-Christ, nous aussi nous avons obtenu une rédemption éternelle. La faveur de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jean est en train de présenter Jésus, il dit que lui que je présente là, il m'a précédé. Et nous avons tous reçu de lui vraiment grâce sur grâce. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui nous a apporté la faveur pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Nous voyons donc, chers frères et sœurs, l'offrande ou le sacrifice est au cœur de notre relation avec Dieu pour que nous devenions des saints. Et ce n'est pas le Seigneur.
Alors, nous nous posons une question ce matin. Alors, comment offrir à l'Éternel? Comment est-ce que les sacrificateurs offraient à l'Éternel des sacrifices qui soient agréables à Dieu? Parce que le problème, ce n'est pas seulement de sacrifier. Le problème, il faut que le sacrifice soit agréable. Et c'est ce que Paul nous révèle dans Romains chapitre 12. À partir du verset 1, il dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel. Et c'est cela qui constitue un culte raisonnable. Le culte qui soit agréable à Dieu. Le culte qui soit vraiment agréable au Seigneur. Ce qui donne du plaisir au cœur de Dieu. C'est un sacrifice saint, vivant, saint et agréable. Est-ce qu'on parle de Seigneur? Alors en Israël, comment est-ce qu'ils pouvaient offrir? Première des choses pour offrir le sacrifice. Nous sommes dans Lévitique chapitre 1. Mukanda ya bilokola kikapu ya tete. Le verset 4. Bloga iya. Il est écrit. Ya metsonama. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Donc nous voyons que dans le fait, dans les sacrifices que vont offrir les sacrificateurs, il y a un élément fondamental. Ce qu'on appelle l'expiation. Donc la personne qui apporte son holocauste qui m'aime devrait poser les mains. Ah, il y a comme un transfert des souffrances dues au péché. Des souffrances du péché que la personne va transférer sur l'animal. On posait la main sur l'animal. L'animal va donc recevoir cette souffrance. L'animal va donc prendre la place du pécheur afin que ce pécheur soit pardonné de Dieu. Donc l'expiation est une souffrance imposée sur l'animal. C'est aussi une souffrance acceptée sur la victime à la suite d'une faute et considérée comme un remède. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Et c'est ce que Jésus a fait aussi. Il a accepté de prendre notre souffrance sur lui. Chers frères et sœurs, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, il est écrit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Nous étions des pécheurs. Christ a fait l'expiation. Il a pris notre place. Il s'est chargé de nos péchés. Et c'est ce que le prophète Esaïe nous rappelle. Si nous comprenons ces choses, nous allons donner tout notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'amour qu'il a démontré pour nous, c'est un amour extraordinaire. Ce qu'il a accepté à notre place, personne d'autre ne peut l'accepter. Voilà pourquoi Saint mon frère, ma soeur, tu dois aimer Jésus-Christ. Il est tellement merveilleux. Il a pris notre place. Esaïe cite un certain nombre de mots ou d'action que le Seigneur a accepté sur lui. Donc Esaïe chapitre 53, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Ce texte nous montre aussi l'expiation. La Bible déclare méprisé et abandonné des hommes. Jésus a accepté le mépris sur lui. Lui qui est le Fils de Dieu. Lui qui est sorti du sein du Père. Lui qui est la seule personne par qui on peut connaître Dieu. Parce que c'est lui qui en est la révélation. Chers frères et sœurs, la Bible déclare méprisé et abandonné des hommes.
de douleur est habitué à la souffrance. Tous les jours de sa vie, il a accepté la douleur. Il a accepté la souffrance pour que toi et moi nous soyons libérés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Peut-être que ce matin tu es venu avec un problème. Tu es venu à une situation qui te ronge, une situation qui te fait du mal. Et la solution, tu n'arrives pas à en avoir. Ce matin, il y a une bonne nouvelle. Jésus a tout accompli. Quel que soit ce problème, quelle que soit cette situation, avec Jésus, tu auras la solution. Avec Jésus, tu vas t'en sortir. Quelle que soit la force, quel que soit le trou, quel que soit là où tu te trouves, oui, le Seigneur est celui qui est le secours. Et ce secours ne manque pas au temps de la détresse. Quel danger où tu te trouves, dans quel danger te trouves-tu? Quelle situation ce matin quand tu es revenu? Ça te fait mal. Chers frères et sœurs, Jésus est là pour te consoler. Il est là pour te consoler. Il est là pour te donner la solution. Ne t'en fais pas. Crois en lui et tu seras sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà ce que Jésus a accepté. Les gens se moquaient de lui. Les gens le méprisaient. C'était vraiment difficile. Lui qui pouvait nourrir. Et il a fait tellement de miracles. Mais les mêmes foules pour qu'il a nourri. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit: crucifiez-le, crucifiez-le. Chers frères et sœurs, mais ces personnes avaient oublié que la personne qui est en train de subir ce châtiment, c'est elle qui nous apporte la paix. Et c'est pourquoi, si tu crois que Jésus était mort pour toi, tu te réponds de tes péchés, il te donnera la paix. Chers frères et sœurs, c'est merveilleux de comprendre, de croire et de mettre notre confiance en Jésus qui était mort à notre place. Moïse était sorti de la maison de Pharaon parce qu'il avait les regards sur la rémunération. Il avait trouvé que l'opprobre de Christ était plus important que tous les trésors de Jésus. L'opprobre de Christ, de Jésus-Christ à la croix, est plus important que tout ce que tu vas voir dans ce monde. Parce que la foi en cette heure te donne d'être réconcilié avec Dieu. Et cela t'ouvre les portes du ciel, les portes du paradis. Chers frères et sœurs, à cause de cette mort, son sang a coulé. Oui, chers frères et sœurs, pour nous racheter, pour nous guérir, pour nous purifier, pour nous donner la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Que toute domination, toute autorité qui était sur toi soit dépouillée sur matin au nom de Jésus. Que toute puissance des ténèbres qui t'a tracassé ta vie, qui tourmentait ta vie, soit anéanti, car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Chers frères et sœurs, Jésus a accepté la souffrance. La Bible déclare: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Maintenant, peut-être que tu as un problème. Aucune personne qu'elle veut prendre cette charge. Seul Jésus, il veut que tu ouvres ton cœur. Il veut que tu lui soumettes cette situation. La Bible déclare: est déchargé pour celui de tout mon souci. Car lui-même prend soin de vous. Que ce matin, ton problème soit déchargé, soit posé sur Jésus. Qu'il prenne soin de toi. Même si on t'a rejeté, même si on t'a abandonné, même si tu as un problème de dette, tu es seul. Tu es seul. Tu as fait du bien aux gens, mais ils t'ont négligé. Le Seigneur ce matin est là pour te consoler. Il est là pour prendre ces soucis-là sur lui afin que tu sois en paix. Que ce matin le Seigneur t'accorde la solution à ce problème-là. Et la Bible déclare:
Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. La punition qui était sur toi. Le châtiment qui était sur toi pour le péché. Cette punition qui devait te conduire en enfer. Jésus est venu prendre cela sur lui. Pour que tu échappes à la perdition. Il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce texte nous montre donc l'expiation. Ce qui nous était réservé est tombé sur Jésus. Comme lorsque le sacrificateur, lorsque on faisait l'expiation, la personne plaçait ses mains sur l'animal pour être délivré, pour être libéré de sa charge. Et lorsque en Israël, dans Lévitique chapitre 16, l'homme célébrait la fête des expiations, là, nous voyons que lorsque les Israélites sortaient de là, chaque Israélite sortait de cette fête l'âme déchargée. Que le Seigneur te décharge ce matin de toute douleur, de tout fardeau, de tout souci, de toute maladie, de tout blocage. Sois déchargé. Sois déchargé. Qu'il t'accorde la solution, la joie, la paix, l'amour, la patience, la bienveillance, la tempérance, la bonté. Chers frères et sœurs, il n'y a que dans Jésus que ton cœur peut retrouver sa bonne santé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais ce n'était dans la prière.